cette histoire. Je disais, j'ai pas ma place dans cette histoire. Donc elle me dit, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer quelques photos? Elle rigole, ou qu'elle est pas triste, solidarité féminine. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on est en pleine procédure de divorce. Elle m'entend pleurer au téléphone, elle est morte de rire. Elle est morte de rire, ça l'amuse, tout ce qu'elle cherchait. Mais moi, solidarité féminine. Peu importe qu'elle rigole, ou qu'elle est pas triste, solidarité féminine. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, cette personne, dans tous les cas, j'en veux pas. On sait jamais, tu peux te remettre avec cette personne. Moi, c'est une personne qui vient d'arriver pour moi. Ça fait que 1 mois, donc, j'ai pas ma place dans cette histoire. Je n'ai pas ma place dans cette histoire. Je disais, j'ai pas ma place dans cette histoire. Donc elle me dit, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer quelques photos? J'ai envoyé ce qu'elle voulait, rien d'intéressant. Elle me dit, est-ce que tu peux envoyer des photos entre lui et toi, etc. J'ai dit, ça le regarde que lui, je vais pas m'amuser à s'envoyer sa tête. Je lui envoie ma bague en photo, elle me l'a demandé, elle m'envoie des petits trucs, est-ce qu'il y a déjà eu des cadeaux, des trucs comme ça, je lui envoie. Il y a pas de souci, moi je suis solidarité féminine. Directement, moi, ok, je suis là. Ma place dans cette histoire, du coup, moi je l'ai cru à elle. Je l'ai cru à elle, solidarité féminine. J'ai tout de suite compris la situation. J'ai cru que c'était une situation commune, comme on peut entendre des histoires sur internet. Je voulais tellement pas être dans ça. Je voulais tellement. Et pourtant, je suis pas dans ça. On m'a mis ça malgré moi dans cette histoire. Je voulais tellement pas être dans ça que directement j'ai pris son parti à elle. Lui, je l'ai bloqué. Je lui ai dit, je veux rien savoir. Je m'en fichais. Moi, pour moi, c'est une relation d'un mois. Même si j'avais mal au cœur, je vous dis la vérité, mon cœur. Voilà, je peux même pas vous expliquer la sensation dans laquelle j'étais. Rappelez-vous, je vous avais mis un snap que mon monde s'était écroulé. Je vous avais dit que c'était fini. Même vous, vous avez pas compris. Parce que directement, j'ai pris son parti à elle. Et parce que je l'ai cru à elle. Sauf qu'elle me mentait, elle me manipulait. Elle me disait, oui, un coup, on est mariés. Oui, non, en fait, un coup, on est en procédure de divorce. Et en fait, elle essayait de me manipuler pour que je fasse des fausses attestations, que Dieu m'en soit témoin, j'ai les messages. Elle m'a demandé des fausses attestations pour que je puisse les nuire à lui, pour qu'elle puisse lui faire du chantage. Dès le début, ça avait commencé sur du chantage. Ça, je l'ai dit. À partir de ce moment-là, je m'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, attends, c'est pas une femme blessée. Elle cherche juste de l'argent. Mais j'étais quand même de son côté à elle. Mais je voulais quand même sortir de cette situation. Donc lui, je l'ai bloqué. Moi, je lui ai dit à elle, par contre, je ne te ferai pas de fausses attestations. Même s'il m'a pas, il m'a menti. Il m'a jamais fait de mal. Il m'a jamais fait de mal. C'est un ange, cette personne. Elle m'a jamais rien fait de mal. Le mon fiancé avec qui je suis, il m'a jamais rien fait de mal. La seule chose qu'il m'a pas dit, c'est au début de notre relation, il m'a pas dit son passé. C'est la seule chose sur laquelle j'en ai voulu. Et c'est aujourd'hui pourquoi, je suis désolée, c'est la vérité, je dois me justifier à cause de ça. Donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit, par contre, moi j'ai les messages, je vous mets tous les messages, je vous mets toutes les preuves et je vais vous mettre la vraie vérité. À partir de ce moment-là, je lui ai dit, écoute, par contre, moi je suis une personne juste, même s'il m'a fait du mal en me disant pas que t'existais avant, en pas me disant votre histoire d'avant, même si c'était récent et que lui il a ses justifications, parce que moi aussi je lui ai pas tout dit sur moi, lui m'a pas tout dit sur lui, je lui ai dit c'était récent. Et ce mec, je le connaissais, ça faisait à peine 1 mois et demi. C'est pour ça en fait que je comprends aussi la situation de son côté, même s'il aurait dû me dire. Bref, moi je lui ai dit, écoute, je ne ferai pas de fausses attestations parce que cette personne, elle m'a jamais fait de mal, même s'il m'a menti. Je ne ferai pas de fausses attestations. À partir du moment où j'ai refusé de lui donner les fausses attestations, je lui ai dit, par contre, tu règles tes problèmes avec lui. Moi, je t'ai dit ce que je savais. Moi, je t'ai dit que je ne parlerai plus. Règle tes problèmes avec lui. Moi, je ne ferai pas de fausses attestations. Moi, j'ai que 22 ans. Je te dis la vérité. Même si toi aussi, la situation n'est pas facile pour toi, je te dis la vérité. J'ai trop mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur que je peux même pas parler avec toi. Je peux même pas te débattre. Moi, je te dis, je suis pas une vie, ouais, problème, capture d'écran, etc. Moi, je suis pas comme ça à la base, donc je lui ai dit, s'il te plaît, moi, je veux juste me reconstruire. Je me suis dit, j'ai que 22 ans, j'ai déjà vécu une dépression, je voulais pas me remettre dedans. Ça fait 1 an et demi que je suis bien, j'ai trouvé mon travail en Suisse, que je voulais pas me remettre dans une dépression, donc je lui ai dit, s'il te plaît, juste, toi, laisse-moi tranquille, lui, fais sa vie, réglez vos problèmes, si vous vous arrangez pas. Mais juste, restez loin de moi, je veux pas être dans ça. À un moment donné, je l'ai bloqué, il s'est déplacé jusqu'ici. Il est venu jusqu'à Genève, il s'est expliqué, il m'a dit toute la vérité. J'ai parlé avec sa famille, j'ai parlé avec son entourage, j'ai parlé avec ses amis. Ils avaient tous le même discours, ils m'ont dit, Yusra, il n'a jamais été heureux de son mariage. Il n'a jamais été heureux. Il attendait juste des divorces, ils étaient en pleine procédure, ils étaient séparés. Et même elle, elle me l'a dit que c'était mort, que c'était mort. Même si ça me regarde pas leur vie d'avant, j'ai même pas parlé de leur mariage, etc. Je m'en fiche, je veux même pas savoir ce qui s'est passé entre eux deux. J'ai même pas leur âge. Ils ont 30 ans, moi j'ai 22 ans, j'ai même pas leur âge. C'est pas quelque chose qu'on m'a formaté, c'est pas une personne, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. C'est 15 personnes qui m'ont dit la même chose. Il a jamais été heureux. Ils se sont fait la misère eux deux. Leur problème, c'est des problèmes entre eux deux. Et moi, en fait, on est venu mélanger à cette fin de divorce. En fait, moi j'étais le bon bouc émissaire pour mélanger. C'est dur, ils étaient en train de regarder les filles. Le 20 décembre, elle m'a écrit. Le 22 janvier, ils étaient divorcés. Les filles, comment? Si tout était parfait dans leur vie, si tout était rose, comment en 4 semaines, tu peux divorcer? En 4 semaines?
Moi, j'y peux rien déjà de 1, je ne savais pas. Je ne savais pas sa mise d'avant de 1 et ça ne me regarde pas. De 3, j'ai pas choisi le timing, c'est Dieu qui nous a mis sur le même chemin, il était en pleine procédure, on a voulu me mélanger à ça, on a voulu que je sois le bouc émissaire. Au nom de Dieu, rappelez-vous, j'étais en train de pleurer, j'étais en dépression le 20 décembre, j'étais en dépression, je suis rentrée chez mes parents, j'avais besoin de mes parents, j'avais besoin de conseils parce que j'avais trop trop mal au cœur, je comprenais pas la situation, il fallait que je prenne du recul, je savais même plus qui croire. Donc suite à ça, j'ai pris du recul sur cette situation. Il fallait, j'ai mes parents, je me suis ressourcée, je suis partie prendre l'avis de certaines personnes plus âgées que moi. Il fallait que en fait, il fallait de l'aide parce que je savais pas qui croire, je savais pas où positionner. Tout le monde m'a conseillé de mettre une pause le temps que tous les papiers se fassent. Moi, je vous cache pas que je l'aimais toujours et que lui, il a tout fait pour qu'on se réconcilie parce qu'il m'a dit toute la vérité. Pour lui, c'était mort depuis. Moi, j'ai décidé de lui pardonner le fait qu'il m'a caché sa vie d'avant. Je lui ai dit, tu règles tes problèmes et après toi et moi on voit. C'est ce qu'il a fait, il a réglé ses problèmes avec elle. Moi je suis partie en vacances, je vous dis toute la vérité parce que ça va vouloir ressortir que je suis partie en vacances avec lui, c'est ce qu'elle a formaté à tout le monde. Je suis partie en vacances toute seule. Si on a essayé de me mélanger en me disant que je suis partie à Marrakech, etc. avec lui, vous savez combien de fois dans l'année je vais à Marrakech. J'avais besoin de vacances, j'avais besoin de prendre du recul, je suis partie à Marrakech toute seule, au nom d'Allah. Je suis partie toute seule. Il m'a rejoint pour s'excuser, pour rattraper. Je vais vous mettre le jour où on s'est réconcilié par Allah. C'est triste ce qui t'arrive, etc.